un thème aujourd'hui dont les Africains connaissent, les Africains qui ont grandi en Afrique, les Afro-descendants des îles là. Je ne suis pas sûre que vous faites affaire face à des affaires comme ça. En Afrique ici là, on mystifie tout. Je viens d'avoir une conversation avec Célestin. Une femme, elle s'est arrachée la vie parce qu'elle a donné les papiers de divorce à son mari. Son mari a refusé de signer. Voici Célestin. C'est un Bamoun. Le mari, tu ris. Le mari est Bamoun. Je dis que, mais ça a quoi à voir avec tout ça? Il dit que c'est comme ça. Ils attachent les gens. Et bon, moi, on m'apprend des choses ici. Hein. Ouh, l'embouteillage, ça, oh. L'embouteillage. Bon, moi, on m'apprend les choses ici, hein, parce que moi, j'étais pas au courant qu'il y a les gens qui font des choses. Mais en fait, ce qui me touche, on a même discuté même peut-être 2-3 minutes. J'ai dit que laisse-moi prendre ma caméra. Ils savaient pas que je prenais ma caméra. Mais c'est pour dire qu'on mystifie tout en Afrique. Quelqu'un meurt. Oh, c'est elle qui a tué telle. Donc, les gens n'ont même plus le droit de mourir. La mort, c'est naturel. Tel a eu l'accident. Oh, c'est l'oncle qui ne voulait pas ce qui. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses comme ça? En fait, on vit dans la peur. Hein. Ça nous limite et on vit dans la peur. C'est dit ce que tu disais. Les Bamoun ont fait quoi? Au moins, tu ne vas pas apparaître. Que les Bamoun ont fait quoi? Ils mystifient leurs femmes. Ils mystifient leurs femmes. Pour qu'ils ne passent pas les tromper dehors. Hey. Donc, parfois, il les gâte même. C'est pour ça même celle-ci s'est donné la mort. Donc, lui, il dit que le mari a gâté sa femme. Donc, la madame a présenté un papier de divorce, le monsieur n'a pas voulu signer. Mais parce que le mari a gâté la femme allait se tuer. Maintenant, c'est les Bamoun de la chaîne là. Venez parler, parce qu'il y en a beaucoup sur la chaîne. Venez nous dire. Hein? La femme s'appelle Aïcha. La femme s'appelle Aïcha, il dit. Pourquoi tu dis ça? Toi, tu es Bamoun. Je suis le voisin. Hein? Je suis le voisin. Tu es le voisin. Donc, tu es Bâtier, non? Donc, Bâtier et Bamoun, là, c'est la même chose. Bamileke, non? Mais est-ce, comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Bafoussa, mais Bamoun est la différence. Ma mère. Donc, maintenant, tu es en train de te mettre dans le panier. Donc, toi-même, tu vas faire ça à ta femme? Non. C'est pas d'abord bien de faire ça aux femmes. Ok. Mais comment tu sais que ce mari-là a fait ça à la femme? Pour moi, il aurait libéré la femme, là. Elle passe les bouillies ailleurs. Il aurait libéré la femme. Ouais. Okay. C'était moi, je l'aurais libéré. Mais comment tu sais pour sûr qu'il a fait ça à sa femme? Ce sont des trucs qui se passent dehors, non? On vit ça au quotidien, non? Ceux qui se collent dans les motels, okay, parce qu'ils sont en train de faire l'amour, là, c'est pareil. Mais les gens qui se collent... Les gens qui sont pas camerounais seront perdus sur la chaîne. Les gens qui se collent dans les motels, en fait, il y a un truc assez répandu ici, là. Donc, quand les gens sont mariés, le mari ou bien la femme, on dit en camerounais, on attache... Donc on va attacher le mari de telle manière que s'il va toucher une femme d'un hôtel ou d'un motel, il cale. Quand il cale là, durant les relations, le truc là cale dedans. On a déjà eu attrapé. J'ai vu une vidéo, mais ça fait longtemps, ça fait au moins 10 ans. J'ai vu une vidéo passer comme ça. Mais elle, c'était pas la comédie. Non, c'est réel. Okay. Dernièrement, l'autre s'est passé à Dakar, non? Les deux se sont collés. C'est-à-dire que le mari est venu avant qu'ils se sont séparés. Donc apparemment il faut que le mari vienne. Tu as dit qu'il touche. Il touche ou il voit. Il voit. Oui. Que le mari vienne, il touche, il voit. Et les deux se décollent. En fait ça dépend. Toute magie a sa part de... Soit il y a l'autre, il les donne des trucs, il lèche. Okay. Soit il faut les toucher. Soit il faut les voir. Bon, ça dépend. Mais est-ce que tu crois vraiment à la plupart de ce qu'on dit? Parce que je ne dis pas que ce n'est pas faux. Hein. Mais je dis, est-ce qu'on exagère pas aussi, Célestin? Maman, tu sais que c'est parce que le Dieu est dangereux. Les gars courent derrière les femmes des gens, les femmes courent derrière les hommes des gens. Bon, toi, tu fais comment? Donc, du coup, tu fais quoi? Tu attaches les gens? Ah, il attache sa femme pour... Lui-même côté... qui attache, il va pas aller voir dehors. Bon, qui sait? La femme l'attache aussi. Les femmes attachent les gars. Les femmes attachent les hommes. Il te dit. Et que la conversation de ce matin... Elle veut son gars pour elle seule. Ok. L'homme aussi veut sa femme pour lui seul. Non, mais est-ce que ça existe vraiment, ces affaires-là? Ça existe. Moi, j'avais vu la vidéo de le gars qui était collé. J'avais vu une vidéo, hein. Je pense que c'était passé sur WhatsApp, là. Collé à la femme comme ça, là. Les gens étaient sortis, criaient. Tout le monde avait son cellulaire, filmait. Mais est-ce qu'on ne mystifie pas tout? Quand il y a un petit truc, moins de choses, on ramène toi à la sorcellerie. Les gars, je vous promets. J'ai une situation personnelle dans ma propre famille où il y a deux personnes qui avaient des problèmes très proches. Et l'un pensait que l'autre faisait la sorcellerie. Et moi, je parlais aux deux camps, des gens très proches. Ils disent que non, l'autre m'a fait la sorcellerie. Non, l'autre m'a fait la sorcellerie. On va la sorcellerie partout. En parlant de sorcellerie même, dis-moi, Célestin, que penses-tu de ça, la sorcellerie? La sorcellerie? Mm-hmm. Pour moi, la sorcellerie n'existe pas.
Pour toi, la sorcellerie n'existe pas. Donc, ce qu'ils font là, c'est quoi alors? C'est la magie, pas la sorcellerie. La magie. C'est quoi la différence entre les deux? La sorcellerie, c'est quand tu possèdes le corps de quelqu'un dans le monde astral. Le monde parallèle, oui, astral. Mais la magie, c'est. C'est un truc surnaturel, quoi. Un truc surnaturel. Donc, mais tu crois, donc tu crois à la magie? Je crois à la magie. Tu as déjà toi-même fait la magie? Non. Pourquoi? Moi, j'ai pas besoin. Je t'ai dit qu'on ne te voit pas, tu peux dire tes vérités ici, là. J'ai pas besoin pour le moment. Je n'ai jamais fait la magie. Tu as besoin de faire la magie? Non, j'ai dit ma vérité. Maintenant, je vais te poser une autre question très intéressante. J'ai eu la conversation là, le week-end passé avec Harry, là. Pourquoi donc nous, les Africains, on a la magie là, n'est-ce pas? Peu importe le pays. Bon, l'Afrique du Nord, je ne suis pas sûre. Mais l'Afrique subsaharienne, on a ça. Que ce soit du côté du Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun, Congo, en Gabon, on a ça. On a ça. Comment ça se fait qu'on a autant de magie et qu'on n'utilise pas, on n'utilise pas ça contre l'autre, l'Occident? On veut seulement avoir les bombes nucléaires. Non mais... Là, c'est deux mondes différents. Mondes différents comment? La magie n'opère pas avec les choses de la politique. Comment? Ça peut opérer. C'est vrai que ça peut opérer, mais ça ne peut pas opérer à 30%. À 30% comment? La population est plus forte que la magie. Hein? La voix de la population. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça... C'est pas parce que c'est la magie qu'on pense que ça domine le monde. La magie ne domine pas le monde. Si tu fais la magie, peut-être sur ce carrefour-ci, 100 personnes arrivent, ils commencent à être contre la magie là. Je te mens pas, ça ne va pas marcher. Ah, donc il faut la volonté du peuple plus puissant. Plus puissant, 10 000 fois puissant que la magie. Donc pour que la magie fonctionne, il faut que la plupart des membres soient pour. Pareil. Donc si on veut construire un conseil de sorcellerie pour protéger l'Afrique. Si la population sort que c'est la sorcellerie. Oui. Mais toi, tu as pris ça ou comment tu sais ça? Mais je suis de l'Ouest, non, c'est fini. Tu es de l'Ouest, ça veut dire que tu es sorcier. Tu es magicien. Je connais les choses qui se passent. J'ai grandi avec, je connais des choses. Donc, il a dit que les gars de l'Ouest, là, vous êtes des sorciers. Non. Mais ça, c'est mauvais. Pas forcément. On va bien t'inciter ici, là. Toutes mes connaissances vont tomber dans mon inbox. Que le gars, là, il sort d'où? C'est quoi ces conneries, là? Non, mais. Moi, je ne suis pas sorcier. On dit la vérité. C'est ce qui se passe. C'est pas parce qu'on vit là comme si on ne voit pas ce qui se passe au quotidien, ce qui se passe dehors. On voit tout, mais c'est juste qu'on garde le silence. En tout cas, c'est pas, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, vous avez suivi Célestin. Vous l'avez mis à vue sur les vidéos. Là, mais il se cache aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On t'a vu apparaître sur plusieurs vidéos. Il est en train de conduire. Il est en train de stresser. Il dit qu'il va me reconnaître là-bas. Voilà les mamans. Tu les as vus, hein? Ouais, depuis. Donc, c'est ça. Il se laisse vous. Mais moi, franchement, pour vous dire la vérité, je pense qu'on mystifie tout. Moindre. Je pense qu'il y a la magie, il y a la sorcellerie, il y a la magie. Mais je ne suis même pas sûr que ça compte pour 20 à 25% de ce qui se passe. Des événements. S'il y a 10 événements qu'on associe à la sorcellerie, je ne suis même pas sûr qu'il y a 25%. Parce qu'on a beau dire, l'Africain est un peureux. L'Africain a peur d'aller mettre les doigts dans les trucs comme ça. Ce sont les plus courageux qui vont partir faire ce genre de trucs, quoi. Les plus courageux. Et voilà qui m'appelle. Donc, c'est ça, les gars. Je vous souhaite à tous une très, très, très bonne journée. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Dites-nous dans les commentaires. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensaient qu'on doit utiliser la sorcellerie à de fins utiles? Vu qu'on a déjà ça, on sait comment manipuler l'affaire, là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un conseil? Moi, c'est même ma question. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un conseil de sorcellerie? Donc, je risque de faire un appel à tous les bons sorciers. Parce que n'oubliez jamais que la sorcellerie, à la base, était utilisée pour protéger les Africains. La sorcellerie n'avait jamais été utilisée pour attaquer son frère ou sa sœur. C'est avec la colonisation là qu'on est venu nous tourner la tête. Là, maintenant, tu attaques la sœur. Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir un conseil de sorcellerie? Les gens qui disent que bombe... Oh, est-ce qu'on a même besoin de la bombe truc? La sorcellerie, pour moi, je pense, c'est 1000 fois plus puissante que les bombes truc. Hein. Tu lances tout ici à distance. Il y a les sorciers puissants au Cameroun, au Bénin. Vous n'avez pas idée. Bref, les gars, vous attendez dans les commentaires comme d'habitude. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez même de l'idée. On va bien rire là. Lâchez-vous dans les commentaires. Peace out. Et très bon début de semaine à tout le monde.